Salut les boss, c'est Jojo et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler Jumpy. J'avais pas mieux. Et pour en savoir plus sur le Jumpy, on va demander à Dimitri de nous rejoindre. Dimitri, s'il te plaît. Salut Dimitri, comment ça va? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va. Présente-toi, dis-moi tout, je veux tout savoir sur ta concession, le Jumpy, tout ça. Ouais, mais avant, je veux jumper. Alors bonjour, moi je m'appelle Dimitri, je suis vendeur société pour le groupe Otto Bernard, plus particulièrement pour Otto Bernard Champagne-Ardenne, pour les concessions Citroën et DS de Reims, Épernay et Charleville-Mézières. Est-ce que tu peux me parler déjà de la partie fonctionnelle? C'est un véhicule qui peut coller à toutes les professions, puisqu'il existe en trois tailles, XS, M et XL, qui vont de 4,60 m de long à 5,30 m, niveau longueur hors tout. Et après, pour l'intérieur, on retrouve à chaque fois 35 cm de plus pour chaque version. On peut avoir l'utilité, que ce soit pour le personnel médical, par exemple, pour des personnes à mobilité réduite, pour des plombiers, par exemple, pour des vignobles, on en plein dedans. Là. Une précision, le Jumpy permet d'offrir une charge utile importante, entre 1 tonne et 1,2 tonne. Donc, c'est vraiment un produit qui nous permet de balayer large au niveau de tous les corps de métier. Ok, mais je vois qu'il n'y a que 3 places à l'avant, mais on peut en rajouter derrière et garder un peu d'espace. Alors là, effectivement, là on est sur une version fourgon traditionnelle, mais on peut l'avoir en cabine approfondie qui permet d'avoir jusqu'à 6 places sur 2 rangées. Donc on peut l'avoir aussi sur une base de véhicule plancher cabine qui nous permet de transformer le véhicule en véhicule isotherme ou en véhicule pour les personnes à mobilité réduite. Je sais que le Jumpy a une petite particularité intéressante pour les professionnels, c'est au niveau de ses dimensions. Dis-moi en plus. Alors en effet, tu as raison, une des caractéristiques principales, c'est sa hauteur, qui lui permet d'être à 1,90 m en hauteur hors tout, ce qui lui offre tout simplement la possibilité de passer sous la majeure partie des portiques. Ok. Portiques de parking, portiques d'autoroute, tout ce qui va être stationnement souterrain. On peut aller essayer? Allez. Allez, on y va, c'est parti. En termes de motorisation, est-ce que tu arrives à m'en dire un petit peu plus? Donc sur le modèle qu'on a à laisser aujourd'hui, c'est quoi? On est sur un modèle en puissance 100 kW, donc 136 chevaux. Ok. Avec une capacité de batterie de 75 kW. Ok. Ce qui nous permet d'avoir en autonomie 330 km. Ouais. Il existe aussi une version 50 kW en termes de batterie. Ouais. Ce qui nous permet là pour le coup d'avoir une autonomie de 230 km. Est-ce que tu peux m'en dire plus concernant les autres motorisations sur le Jumpy? Alors, il existe plusieurs motorisations thermiques, donc diesel, ouais. Donc, notamment le Blue HDI 100 chevaux en boîte manuelle, le Blue HDI 145 chevaux qui lui est en 2 litres en boîte manuelle aussi. Okay. Il existe aussi en boîte auto 8, okay. 8 vitesses. Tu retrouves aussi la motorisation pour les motorisations les plus puissantes, le Blue HDI 180 chevaux, okay. Uniquement associé à la boîte pour le coup EAT8, donc la boîte automatique. Tu peux recharger sur tout type de borne et tout type de prise. C'est-à-dire que tu peux recharger sur une prise murale traditionnelle. Bien sûr, tu vas avoir un temps de recharge qui va être plus long. Tu peux recharger sur une prise traditionnelle chez toi, mais une prise renforcée, donc qui va venir optimiser le temps de recharge. D'accord. Donc je préconise quand même d'installer une borne. Alors après, la borne ou 7,4 kW ou 11 kW suivant les options qu'on peut avoir sur le véhicule, ce qui va nous permettre d'avoir un temps de recharge qui va être optimisé, qui pourra passer en gros de 7h30 à 11h30, ce qui fait qu'en une nuit, le véhicule il est chargé. Après, c'est un véhicule qui peut aussi charger sur une borne rapide. En 75 kW, on va venir recharger la batterie à 80% en 45 minutes. En termes d'équipement dans l'habitacle, est-ce que tu peux me dire un petit peu, c'est quoi les points forts du Jumpy? On va retrouver bien sûr une navigation connectée en 3D. Tout ce qui est application au tableau de bord, donc on va retrouver Apple CarPlay, ouais. Android Auto, qui va permettre de récupérer toutes les informations de son smartphone sur le véhicule. Tu vas retrouver une caméra de recul avec Top Rear Vision, donc c'est une caméra qui te permet d'avoir une vue de dessus. Donc quand on a un véhicule de ce gabarit-là, tu l'as remarqué tout à l'heure, un véhicule qui fait 5,30 m de long. Ouais, c'est quand même agréable de voir aussi ce qui se passe dans l'environnement, autre que vraiment ce qu'il y a derrière. Okay, ça c'est... Ok, bah tiens, d'ailleurs, il est en train de me dire franchissement de ligne, donc il y a le franchissement de ligne aussi. Alerte franchissement involontaire de ligne. Tu peux me parler de la zone de chargement, tout ce qui se passe derrière?
trois dimensions différentes au niveau de la longueur, puisque la largeur elle ne change pas, la hauteur non plus. Donc tu vas avoir pour une taille standard, le taille M, celui qui est le plus vendu, 2,50 m de longueur utile au sol, et tu as 35 cm de plus sur une version XL, okay, qui t'offrira 2,85 m de longueur utile. Et comme on l'a vu tout à l'heure aussi, il y a ce qu'il y a sous moi, le Moduwerk, ouais, qui lui nous permet d'avoir une longueur utile supplémentaire pour venir jusqu'en dessous la boîte à gants, et qui permet sur un XL d'avoir jusqu'à 4 mètres de longueur utile. Tiens, du coup, j'ai mon œil qui est attiré par ce petit bouton rouge. Je vois écrit SOS. C'est quoi? Le véhicule est équipé d'un boîtier qui nous permet d'appeler les secours, okay, via la touche SOS. Okay. Ou alors, s'il y a déclenchement d'airbag, ça va venir proposer automatiquement un appel d'urgence. Ici, ça va être pour la partie assistance. Ce même boîtier télématique, ouais, permet notamment, via certains partenaires, d'avoir des remontées d'informations pour les chefs de parc, des remontées de géolocalisation, des remontées de consommation, des remontées au niveau des alertes d'entretien du véhicule, bien sûr à la demande du client. Allez, je te propose qu'on parle pognon, écologie et fiscalité. Allez, on y va, c'est parti. En matière de fiscalité, tu peux avoir un bonus de 4000 euros qui te permettra de les faire passer en apport pour baisser tes mensualités. Eh, pas bête, hein. Il y a aussi une exonération de TVS parce que c'est un véhicule utilitaire, et donc récupération de TVA. Ouais. D'un point de vue écologique, on est sur une norme énergétique à... Bon, en gros, zéro de CO2 émis dans l'air. Et en termes de livraison, on est sur 5 mois sur de l'électrique et 6 mois sur du thermique. Et si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur mon-courtierauto.fr. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux, notamment Insta, TikTok, mais surtout LinkedIn et YouTube. Et surtout...